à tous d'être venus et nombreux ce soir. Merci d'abord, évidemment, et avant tout à Annie Lebrun, que nous sommes très heureux de retrouver après un épisode qui a eu lieu il y a quelques années et dont nous avons tous gardé un très bon souvenir, marquant pas mal d'égards. Quoi qu'il en soit, comme on ne présente évidemment pas Annie Lebrun, je lui passe la parole sans plus de préambule. À propos, évidemment, de ce qui n'a pas de prix. Bon, on a pensé que ce serait peut-être mieux que, en quelques phrases, je dise un peu de quoi il est question dans cet essai qui a pour sous-titre « Beauté, laideur et politique ». Alors, voilà, c'est à peu près 5 ou 6 ans que j'ai commencé à constater combien le monde s'enlaidissait. Alors que on se préoccupait de plus en plus de culture, d'esthétique comme jamais encore. Et incontestablement, j'avais quand même l'impression que quelque chose avait changé depuis l'essai auquel vous avez fait allusion, qui était publié, merci, en 2000, qui s'appelait « Du trop de réalité », où j'analysais déjà quel excès de marchandises, d'images, d'informations reconditionnait nos vies au point d'en arriver à l'apparition d'une nouvelle forme de censure qui avait cette caractéristique que c'était une censure par l'excès. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passait avant où la censure jouait sur les interdictions et le fait de retirer de la circulation une œuvre ou des livres ou des pensées, là, cette censure-là jouait sur une sorte de gavage qui faisait que, qui amenait aussi à une situation où tout commençait à être indifférencié. Bon. Alors, je continuais à chercher, je ne comprenais pas, je voyais bien qu'il y avait une aggravation, mais j'arrivais pas à savoir de quoi il s'agissait. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on était passé justement de ce trop de réalité à ce que j'appelle à une société de trop de déchets. C'est-à-dire qu'à un monde que son propre fonctionnement conduit à sa perte et qui n'arrive pas justement à gérer ses déchets. Alors qu'il s'agisse vous savez très bien, du dérèglement climatique, de la financiarisation, de l'économie, des désastres humains que vous connaissez. Donc tout ça, c'est ces formes de nuisances qui font que tout d'un coup, on n'a plus prise du tout sur ce qui est produit. À ceci près que donc ce nouvel enlaidissement n'était pas aussi, il me paraissait pas seulement dû à cette surproduction de déchets, mais à ce que la marchandisation de tout était en train de devenir la seule réponse à une situation catastrophique qu'on voulait nous faire accepter tout en la déniant. Et ça, c'est aussi la nouveauté qu'entre fuite en avant et fausse conscience, s'était mis en place un ordre du déni, accompagné depuis les années 90, par une impressionnante collusion de la finance, de l'art contemporain, des industries de luxe, et c'est ça qui demandait à être interrogé et qui m'a semblé correspondre à une situation de guerre contre tout le monde sensible et contre ce qui n'a pas de prix, c'est-à-dire ce dont on ne peut tirer de la valeur. Voilà. En gros, c'est de ça dont il s'agit. Alors, comme de coutume, la parole est au public, mais comme il est parfois un petit peu intimidé, pour lancer le débat, appelons ça, même si ça peut paraître un peu pédant, un concept qui revient assez souvent dans ce qui n'a pas de prix, c'est le réalisme globaliste. Oui.
Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer, comme je veux, c'est quand même une des notions récurrentes dans tout ce livre. Oui, oui. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour vous. Oui. Et comme c'est a priori quelque chose de nouveau, qui vous est propre, j'aimerais bien que vous précisiez ce que vous mettez dans le réalisme globaliste et quelle est la portée de ce réalisme globaliste dans ce qui est évoqué, dans ce qui n'a pas de prix, mais aussi. Quel est le lien que vous faites entre beauté, laideur et politique? En fait, ça, ce serait une deuxième question. Oui, et donc là, en ce qui concerne, pour expliquer cette histoire du réalisme globaliste, c'est qu'il m'a semblé que pour prouver cette collusion, dont on a beaucoup d'ailleurs de manifestations, mais cette collusion entre la finance et l'art contemporain, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de remarquable, c'est qu'on pouvait aller dans n'importe quelle ville étrangère, n'importe quelle ville de province, etc. Les uns et les autres pouvaient déplorer le fait qu'on retrouve toujours les mêmes enseignes, les mêmes marques, les mêmes franchises, les mêmes articles. Et bon, mais ça, c'est... Il ne s'agissait pas seulement de ça, c'est que si on va dans les musées des différentes capitales ou des musées qui sont considérés les grands musées d'art contemporain, eh bien on retrouve les mêmes artistes, les mêmes œuvres, les mêmes performances, enfin c'est exactement la même chose. Et là, donc je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui était frappant, et surtout que ce qui caractérisait aussi ces manifestations d'art contemporain, c'est que elles n'étaient pas caractérisées justement comme d'autres formes où on essayait d'imposer de façon autoritaire à travers l'art une idéologie. Et là, je pensais au réalisme socialiste qui, à travers certains thèmes récurrents, à travers certaines images aussi, inculquer, essayer de diffuser une idéologie. Là, autant il y avait cette globalisation, puisqu'on retrouvait les mêmes artistes et les présentés de la même façon, accompagnés des mêmes discours théoriques, mais ce qui m'a semblé très curieux, c'était que ce nouvel art, si on peut dire, se manifestait non par justement la diffusion, le désir de diffuser une idéologie, mais plutôt avait pour fonction d'induire des comportements, d'induire des protocoles et du coup de participer à cette domestication. Et c'est ça que j'ai appelé le réalisme globaliste, parce que en plus, ce qui caractérise toute cette entreprise, et ça vaut aussi pas seulement pour l'art contemporain, mais tout ce qui se passe à travers la mode, à travers les industries du luxe, etc. C'est pourquoi y a-t-il cette invasion du domaine sensible, cette colonisation de ce qui jusqu'à présent qui permettait de garder des distances avec le monde marchand, c'est qu'il s'agit de convaincre qu'il n'y a pas d'alternative à ce monde. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante. Et En regardant un peu ce qui s'était passé, tout d'un coup, j'ai découvert que le promoteur de la carrière politique qu'on sait de Margaret Thatcher et qui est à l'origine justement de cette affirmation qu'il n'y a pas d'alternative, ce par quoi tout le néolibéralisme avance en faisant fi de toute contestation, eh bien, ce personnage-là, ce promoteur, c'est un certain Saatchi, et ce Saatchi, quelques années après, est devenu le plus grand collectionneur, galeriste d'art contemporain. Voilà. Et là, à un moment, comme j'étais prise de vertige en me disant, c'est pas possible, et c'est ça. Et alors, ça m'a frappé, quand j'ai lu ça, j'ai bien vu les allusions dans le livre au réalisme socialiste, mais ce qui me frappe dans ce que vous décrivez parfaitement, et je pense que vous pouvez et le
syntagme que vous utilisez pour le désigner me semble parfaitement explicite, c'est que dans le réalisme socialiste, il y avait deux choses dont ce réalisme globaliste est complètement dépourvu, c'est-à-dire d'une part une rhétorique et d'autre part une esthétique qui était peut-être assurément stéréotypée, pour des raisons, on va dire, de projets populaires, on dirait populistes aujourd'hui. Il y avait une visée, il y avait la revendication d'une idéologie mais avec une rhétorique, une esthétique, et toutes ces choses-là, là en revanche, sont complètement évacuées de ce réalisme globaliste. Et c'est donc une des choses qui sont frappantes. Ça m'amène donc à la deuxième question. Vous avez sous-titré l'ouvrage « Beauté, laideur et politique ». Évidemment, quand on a lu le livre, on comprend bien, on en a déjà une petite idée dans ce que vous venez de dire, de pourquoi vous faites cette espèce de tripartition et ce rapport entre les trois notions. Mais et ben, j'aimerais bien justement que vous le développiez un petit peu. Beauté, laideur et politique aujourd'hui, à partir à la fois de l'art contemporain et aussi de sa mise en scène muséographique. Ça, c'était déjà la muséographie, c'était quand même un des thèmes de trop de réalité qui était peut-être plus présent. Là, on dirait que la muséographie n'est même plus nécessaire dans cette, puisqu'on est en permanence dans le musée, que le musée est tout autour de nous, et que le musée, avec l'effet de répétition. Donc voilà, je vous laisse partir de cette question un peu confuse, repréciser beauté, laideur et politique. Oui, moi je repartirai justement de cette histoire de l'art contemporain, parce qu'effectivement, ce qui caractérise son art contemporain, on pourrait dire, c'est son apparente diversité. Il n'y a pas de thème, il ne s'agit pas de ça. C'est qu'au contraire, ce qui caractérise cet art contemporain, c'est surtout son gigantisme, sa brutalité, et qui tend à imposer la sensation et les sensations fortes au détriment de toute sensibilité. Et là, quelque chose de très fort se joue, parce que effectivement, bon, déjà, ça faisait très longtemps que les notions, de toute façon c'est toujours très compliqué à aborder les notions de beauté et de laideur, mais il n'empêche que toute question là, esthétique a été évacuée, et qu'il s'agit d'imposer quelque chose de qui tend à reconfigurer la sensibilité, c'est-à-dire en dehors de toutes les catégories connues, et en jouant sur des phénomènes qui relève beaucoup plus de par exemple de ce qu'on peut constater dans l'art totalitaire tel que Walter Benjamin l'analyse, c'est-à-dire tout d'un coup il y a une occupation de l'espace et qui est une occupation de l'espace public, parce que aussi il ne s'agit plus de muséographie, même c'est l'espace du musée est anéanti pour déborder sur l'espace public. Et qu'est-ce que c'est l'espace public sinon l'espace où toujours l'éventuel peut se manifester, où il peut y avoir toujours les rencontres inattendues entre les êtres, entre les classes, etc. Et c'est cette colonisation de l'espace public auquel on assiste, et on le voit de toute façon par la pollution, par les marques, toutes les réclames, etc. Donc, et à travers ça, se diffuse une nouvelle laideur qui fait que d'autant plus dangereuse que, étant donné la force, la brutalité de ces œuvres-là, il y a une sorte de ce gigantisme-là provoque une sidération qui est renforcée par ailleurs par tout l'appareillage théorique dont cet art est accompagné, c'est-à-dire que toujours il y a une sorte, c'est plus qu'une sorte de mode d'emploi, c'est tout d'un coup on vous dit qu'est-ce qu'il faut penser, et en vous disant ce qu'il faut penser, mais en même temps que vous pouvez penser le contraire, et que de toute façon ça n'a pas d'importance puisque ça a été prévu. Donc il y a une sorte d'annihilation du rôle du spectateur. Et là, il y a plusieurs personnes m'ont
m'ont fait remarquer que, mais bon, il s'agit, dans le fond, c'est la tradition qui a été de ce que Duchamp avait formulé avec la fameuse phrase « c'est le regardeur qui fait le tableau ». Eh bien non, justement, c'est l'inverse. Parce que le regardeur qui fait le tableau, c'est le personnage qui a la possibilité d'interpréter comme il veut et qui choisit éventuellement son interprétation du tableau. Alors que là, étant donné la sidération qui est voulue et qui est effective, et en plus les commentaires qui vous disent que quoi que vous pensiez, de toute façon ça a été prévu et au bout du compte ça n'a pas d'importance, c'est l'inverse. Tout d'un coup, c'est l'œuvre qui conditionne complètement le spectateur dans une attitude de domestication, de servitude. Est-ce qu'on peut évoquer, vous avez parlé du spectateur, un auteur que vous avez très très bien connu, parce que ça me fait penser, cette manifestation maintenant par la médiation de ce qu'on appelle l'art contemporain, à partir de tout ce que vous avez exposé, ça fait quand même beaucoup penser à cette espèce d'énorme positivité sans réplique du spectacle selon Debord. On est dans mais là, et on est au-delà du spectacle intégré, comme il disait. On est le spectacle qui remplace tout. Cette espèce de réalisme globaliste, c'est il n'y a plus de réel en dehors de ça, ou en tout cas aucun regard personnel qui puisse avoir sa place là-dedans. Oui. Est-ce que j'interprète bien ? Non, je pense que vous avez tout à fait raison. Alors effectivement, à un certain niveau, les analyses de Debord sont me semblent tout à fait relevantes, mais les choses se compliquent parce que d'un côté aussi, il faut bien voir que à cette sorte de sidération quand même pour rendre le monde vivable, et parce que aussi c'est l'occasion aussi d'ouvrir de nouveaux marchés, il y a une entreprise d'esthétisation sans précédent, et qui est une sorte de camouflage incroyable de ce qui se passe, et que tout maintenant est prétexte à l'esthétique. Bon. Et qui fait que en même toute cette esthétisation a d'abord une valeur de neutralisation, une valeur aussi de rendre complètement indifférenciés les différents produits, et bien sûr d'ouvrir toujours de nouveaux marchés. Et d'un autre côté, il s'agit aussi d'une offensive qui complète justement cette élimination du sujet qui se passe avec l'art contemporain, qui complète ça justement avec l'élimination du corps singulier à travers toutes les manifestations de la mode, des industries de luxe, de la mode, de tout ce qui est véhiculé par ça, qui va même à travers les marques, qui maintenant, ce ne sont plus des produits qu'on vous propose, mais c'est des styles de vie. Et même c'est dans les marques, c'est dans les trucs. Quand vous achetez des souliers Nike, vous achetez un style de vie. Et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est de ça dont il s'agit. Alors en plus aussi, donc c'est ça, vous avez raison de souligner le fait qu'on est passé à un autre stade, c'est-à-dire qu'un stade d'asservissement supérieur, parce que si on retrouve des phénomènes qui peuvent être analysés suivant ce qu'avançait Debord, aussi il s'agit aussi des phénomènes analysés par la Boétie dans ah oui, c'est absolument la servitude volontaire, mais ça je passe mon temps à le répéter quotidiennement. C'est ça. Mais en plus, maintenant, il y a justement, par cette invasion du monde sensible, il y a, je pense, une servitude involontaire, inconsciente, je ne sais pas exactement comment on peut la qualifier, mais c'est de ça dont il s'agit. Et là, c'est quelque chose de très grave qui s'est mis en place, parce qu'à un moment, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait avec... Tout d'un coup, il y avait plein de titres, une exposition du musée d'art moderne de la ville de Paris, une affiche, ceci n'est pas une exposition. Bon. Encore un autre truc, ceci n'est pas un livre. Et je retrouve encore quelque part, ceci n'est pas... Et c'est devenu une sorte de leitmotiv qui est fait... Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Bon, évidemment, ça renvoie au fameux tableau de...
de Magritte, ceci n'est pas une pipe, etc. Bon, il s'agit, bon, qui met en scène quelque chose quand même d'assez... Bon, tout le monde sait que la chose et sa représentation ne coïncident pas forcément, etc. Bon, mais là, il m'a semblé que justement, par rapport à ce qui était les analyses de Debord à travers l'image, c'est que tout d'un coup, maintenant, le texte servait à dénier l'image, de la même façon que l'image va servir à dénier le texte. Et tout d'un coup, il y a une sorte de vertige qui fait que on ne sait plus qui parle. C'est aussi une sorte de déresponsabilisation colossale. Et ça, c'est quelque chose qui diffuse, qui inculque le cynisme qui est celui des fameux arts des vainqueurs, du monde de l'argent. Puisque maintenant, comme tout est géré suivant les techniques du management, c'est ce cynisme-là qui est enseigné, qui doit être propagé pour faire admettre tout ça. Et ce faisant, il n'y a plus de négation. Tout se passe comme s'il n'y avait plus de négation possible. C'est amusant parce qu'évidemment, nous sommes via Debord chez Hegel, oui. Et donc c'est dans ce point de vue de la négation que j'allais vous dire. On est dans un moment de négation dans la logique hegelienne, mais qui interdit toute négation de la négation, c'est justement. C'est pour ça que je parle. Parce qu'elle est déjà prise en compte, elle n'y a plus de place, y compris pour la négation de la négation. On est dans un négatif absolument abyssal, qui produit une vacuité. Mais pour reprendre votre dernier commentaire sur la construction d'un mode de vie, une instrumentalisation totale en termes de produits qui va très très loin dans l'asservissement, y compris idéologique, il me semble qu'on a un phénomène, bon je le sollicite mais parce que c'est aussi dans votre titre, l'élection de Macron, la figure de Macron est absolument symptomatique, me semble-t-il, de tout ça. C'est même assez fascinant. Justement, Dominique, pour rebondir là, la négation de la négation, et ça me faisait penser au pognon de dingue. Vous voyez, le rapport à l'argent, aux phrases, à cette espèce de provocation d'arrogance, on est exactement dans cette... Oui, parce que le cynisme est bien porté. C'est le cynisme. Et non seulement il est bien porté, mais on fait en sorte que tout le monde participe, admette ce cynisme-là. C'est une clé de la reconnaissance sociale, c'est maintenant. Oui, c'est ça. Parce que c'est toujours aussi... Parce que, bon, aussi la menace de tout ça, c'est, et ça, c'est, on est dans les choses repérées par la Boétie, c'est qu'il faut en être. Il ne faut pas être exclu. Et en plus, ils ont raison de jouer là-dessus, sur la peur de ça. Puisque on est arrivé à un stade de sous les alors que sont mis en place des systèmes de finance d'une sophistication extrême, tout d'un coup on est dans une brutalité qui est comparable au pire moment du capital, enfin au départ de cette brutalité qui est l'exclusion. Et avec l'effet de sidération que vous évoquez. Exactement. On voit une espèce de sidération impotente sur le plan politique, là, de ce qu'on appelle la société civile, face à quelque chose qui, en plus, n'est pas une surprise, puisque annoncé, préparé, esthétisé, au combien. Donc ça, c'est vraiment assez frappant. Et du coup, aussi, il y a aussi cette... Et le cynisme se manifeste justement avec cette déresponsabilisation, hein, avec ce soi-disant « je suis au-dessus de ça ». Ça donne à tout le monde la possibilité d'avoir une attitude de surplomb. Et dans le même temps, il s'agit de faire accepter la brutalité de la situation et en même temps de la dénier pour montrer que bon, ben, on s'en tire toujours. Et il y a aussi tout ce jeu autour du fameux deuxième degré, troisième degré. C'est-à-dire, toujours c'est autre chose que ce qu'on a dit. Oui, mais c'est ça. Vous n'êtes derrière, vous n'êtes derrière, c'est ça. Etc., etc. Du coup, donc c'est une sorte de vos objections ont déjà été prises en compte. Et on a déjà, résolu. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, il y a une question. Non? Y a-t-il d'autres questions? Ah, pardon, excuse-moi. Voilà.
Oui, donc là, on a lancé le débat. Peut-être qu'il y a d'autres questions dans le public. Est-ce que vous constatez cela aussi au niveau de la musique contemporaine ? Je ne connais pas assez. Je ne connais pas assez, mais bon, étant donné, en voyant aussi bien ce qui se passe dans la mode, ce qui est en jeu à travers le traitement du corps dans la mode, etc., on s'aperçoit que dans tous les domaines, c'est les mêmes structures qui sont en place, c'est les mêmes processus, c'est les mêmes protocoles. Bon. Donc c'est, je pense, et regardez aussi dans ce qui concerne la crise autour des hôpitaux. C'est ça, il s'agit de rentabiliser tout, et c'est la marchandisation de tout, qui en même temps aussi sert une sorte de course de fuite en avant pour aussi masquer toutes les possibilités qu'il y aurait pour empêcher qu'on aille complètement dans le mur. Et toujours par une esthétisation idéologique, voilà, avec une véritable rhétorique, voilà, oui, puisque les deux sont confondus. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rhétorique parce qu'il n'y a pas à convaincre les gens. Il y a simplement à les instruire. Voilà, donc on n'a pas à vous convaincre, c'est comme ça. Donc vous avez pensé ci, vous pouvez penser ci, vous pouvez penser ça, mais voilà le résultat. C'est frappant. Ça explique aussi cette sorte de le fait que beaucoup de discours de critique sociale patinent actuellement. Oui. C'est-à-dire on peut les prononcer, on peut s'en revendiquer, sauf que c'est comme si ça n'avait jamais été ça n'avait jamais été dit, comme si ça n'a plus aucune efficience. Oui. Et là, il y a quelque chose de très grave, c'est ça. Très grave, mais là, très grave de notre part. Vous évoquiez la servitude volontaire, parce que là, c'est le corps social collectif qui est quand même en jeu et qui ne réagit pas. Oui. C'est un peu comme une anesthésie. Oui, c'est de ces deux. Le corps social est anesthésié dans divers domaines. Oui, oui. C'est fait de manière parcimonieuse, par petites touches, voilà. Au fil du temps. Et c'est vrai que dans le champ social en particulier, on a même les auteurs eux-mêmes qui doivent intervenir se sentent totalement anesthésiés. Quand on regarde politiquement ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a plus de réaction. Il y a l'admission qui se fait de manière... Ou alors il y a des réactions, mais justement il y a des analyses qui sont très juste dans un domaine et dans un autre, mais tout est fait en sorte que on ne voit pas que tout se tient. Et que justement, c'est ça, et c'est ça aussi qui fait qui provoque cette anesthésie dont vous parlez. Parce qu'effectivement... L'image de l'anesthésie me vient... qui échappe, ouais. Finalement, on a du mal à en comprendre, à avoir une globalité, les enjeux, pour en venir à la responsabilité, à la conscientisation, et effectivement, à réagir, ou agir, en tous les cas. À être de penser, et avoir cette liberté. Et en fait, ça se fait de manière particulière. Et avec... J'embraye un peu sur ce que vient de dire la dame, par rapport à une mobilisation qui est en ce moment sur... Le fait sur quoi approche-toi un petit peu qu'il y a en ce moment sur le fait de d'empêcher la fermeture au CHU Henri Mondor de Créteil de la chirurgie hépatique. Il n'y en a que 5 en France. Ouais. Elle n'est pas déficitaire. Elle est d'une avancée incroyable, adossée en plus à la recherche et au CHU de médecine. Oui, oui. On ne peut pas comprendre, y compris du côté de ces capitalistes, de fermer un tel type de centre de recherche. Il y a eu des mobilisations, mais bizarrement, on ne voit pas grand monde. On ne voit pas grand monde à part des signatures dans des journaux. 5 CHU, un problème de hépatique, il n'y en a que 5 en France, adossé à ce qui peut être de la recherche future. Vous comprenez ce que ça complètement, veut dire? Complètement, mais c'est effectivement, il y a une anesthésie qui on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait?
devient inaudible. C'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas de prix, c'est-à-dire tout ce dont on ne peut pas extraire de la valeur, en quelque sorte, doit être éliminé. Parce que c'est où il faut gagner la place. Sur tout ce qui coûte. Vous comprenez ? Mais complètement. Au nom de la plus grande. La plus grande logique capitaliste, elle est rentable. C'est complètement métier. C'est complètement ça. Oui. Et alors, bon, ce qui faisait justement le système qui faisait le système de santé français, c'était que justement, il ne jouait pas sur la rentabilisation. Et que moi, quand il y a eu la couverture universelle, moi j'étais quand même, c'est formidable que. Vous voyez, c'est ça. Mais que maintenant, ça bascule complètement dans l'air. Il y a une homogénéité parfaite avec le mouvement que vous avez décrit de l'art contemporain, puisque la santé, comme le reste, il s'agit de les privatiser. C'est ça l'explication. Si il faut faire de la place aux actionnaires. Il s'agit de disqualifier le service public, le service de santé, et d'une manière générale, la valeur sociale collective, quand elle est dépourvue d'actionnaires, on la disqualifie, on la prétend pénaliser, parce qu'il s'agit de faire la place, exactement comme le mouvement que vous avez observé, on est dans le même projet, il est nettement moins esthétique, il est apparemment moins idéologique, il est plus concret, mais c'est le même mouvement, c'est les mêmes déterminations. Et c'est pour ça, moi, à un moment, j'ai été prise de vertige, parce que, justement, on retrouve tous les mêmes mécanismes, quel que soit le domaine où on est. Et là, il y a quelque chose de complètement affolant. Oui. Et paradoxalement, on nous parle aussi de l'exception culturelle française. Donc, il y a quelque chose là qui est... On se moque de nous. Complètement. Peut-être ça marche un peu pour le cinéma, parce que le cinéma, c'est une industrie aussi. C'est pas seulement de l'art, c'est aussi une industrie. Mais l'exception culturelle... Oui, il y avait un journaliste anglo-saxon, je crois que c'est dans le New York Times, il y a pas mal d'années, qui avait décrit l'exception culturelle, à mon avis assez justement, en disant l'exception culturelle française, c'est que c'est le seul pays où Bernard-Henri Lévy peut être considéré comme un philosophe. Enfin, un type comme Bernard-Henri Lévy peut être... Mais je crois qu'il y avait une question du monsieur derrière. Il y avait sans doute une question sur l'esthétisation et la question du cynisme, parce que vous parliez de l'art contemporain, mais... Est-ce que... D'un certain art contemporain. Mais quel est l'impact, je ne sais pas, de Bernard Arnault, par exemple, sur le grand public ? Je veux dire, quel est l'impact de ce qu'il fait à la Fondation sur le grand public ? Est-ce que, au fond, c'est pas quelque chose d'assez anecdotique ? Le grand public paraît pas très réceptif à cet art contemporain. Est-ce que ça le touche vraiment ou de quelle manière ? Je dirais que l'impact est énorme. Non. Alors effectivement, et cette question de l'art contemporain, ça a l'air effectivement d'être une affaire de 300 personnes, etc., ou d'une classe qui n'a pas. Enfin, bon. Mais d'abord, il faut bien voir que Bernard Arnault tient l'art contemporain pratiquement. Tout le marché du luxe, mais aussi les carrefours. Hein? Et que c'est du haut en bas que ça se passe, ça. Et que, à travers... Et une certaine presse. Et tout, plus qu'une certaine presse. Enfin, une grande partie d'une certaine presse. Une grande partie de la presse. Hein? C'est-à-dire que, justement, le chantage aux annonceurs, puisque c'est de ça dont il s'agit, donc c'est quand même énorme. Mais il n'empêche aussi que, en basculant complètement de l'autre côté de la perspective, une des choses qui est presque à l'origine du fait que je me sois intéressée à ça, c'est que j'ai remarqué que dans tous les pays, que tous les arts traditionnels, que tous les objets populaires, que tous les costumes populaires, avec une diversité extraordinaire, tous sont d'une beauté renversante, avec d'abord un sens des matières, un sens des couleurs, un sens des corps. À chaque fois, c'est des façons d'exalter les corps, c'est des façons d'exalter des manières de vivre.
Et alors je me suis dit, mais de quoi il s'agit là? C'est quelque chose, pourquoi on en est arrivé à cet enlaidissement là? Et du coup, j'étais amenée à revoir justement qu'il y a quand même tout un courant libertaire du 19e siècle qui ne s'est pas satisfait d'analyse et de formulation théorique, mais qui justement avait porté une grande attention à ce qui se faisait du côté sensible, justement en voyant quelle sorte de quelle sorte de diapason ou quelle sorte de pouvait constituer justement ces façons d'être ou les façons populaires paysannes, et puis après quand même tout le 19e siècle, le mouvement social est porté par une culture ouvrière. Or, on est arrivé à l'anéantissement des cultures ouvrières par la marchandisation, par cette marchandisation à outrance. Et ça aussi, c'est très grave, parce que si vous dites ça ne touche pas les classes populaires, mais vous voyez les gens qui regardaient le métro, les filles, comment elles sont habillées, c'est vraiment des victimes de la mode. Il y a les sacs, les immondes sacs Vuitton déjà. Quand, de toute façon, on ne distingue pas beaucoup les originaux des parce qu'ils sont tellement dégueulasses. Mais bon. Et c'est du haut en bas. Quand Macron parle de ruissellement, il a le mot. C'est du haut en bas. Vous comprenez? Et aussi cette histoire de cynisme. Il y a ça. Et qu'en plus, on assiste aussi à cette chose quand je me suis occupée un peu de tout ce qui se passe dans le domaine de la mode, c'est que. On est en train de capter comme jamais encore tous les signes négatifs. Tous les signes de la négation maintenant sont objets d'une marchandisation. C'est la marchandisation de la différence, mais qu'est-ce que fait? On arrive au dépouillement. Parce que je prends cet exemple moi, qui m'avait sidéré, c'est cette histoire des jeans qui tombent là. Vous savez qu'ils sont bon, je me disais comme c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir? Je ne voyais pas pourquoi ça tombait de plus en plus, etc. Il perd sa culotte. Oui, il perd sa culotte quand même. Et c'est un ami américain qui m'a dit, mais non, c'est que il y a déjà beaucoup d'années, parce que déjà ça dure, c'est qu'il y a quand les garçons des par exemple du Bronx ou des ghettos noirs. Étaient amenés à aller voir leurs frères en prison, ils avaient remarqué que les pantalons tombent, parce que pourquoi? On leur enlève la ceinture. Et tout d'un coup, il y en a qui ont pour, comme ça ressemblait à leurs copains, à leurs frères, etc., qui ont commencé à avoir les pantalons qui tombent. Hein. Sans ceinture. Sans ceinture. Et ça tombe. Et ça, c'était bon, c'est ce genre de... aussi de manifestations qui sont à la fois très importantes, très et même c'est un acte de rébellion, c'est une affirmation d'autre chose, c'est ça. Et que, comme on sait bien comment fonctionnent justement ces industries de la mode tenues par tous les Arnaud, Pinault, etc., il y a des chasseurs de cygnes, c'est-à-dire des prédateurs, qui viennent pour essayer de voler chez tous les dans les classes qu'on appelait défavorisées. On le disait, je ne sais pas si on en... Maintenant, on dit si on lit ça, encore. C'est trop, non, c'est trop, voilà, bon. C'est mais vieux jeu. C'est du vol. Parce que c'est encore les dernières choses. Mais c'est plus que du vol. C'est, voilà, ça leur appartient. Ça leur appartient, absolument. C'est ça. Et que maintenant, quand vous voyez tout ce monde, et on ne parle pas des jeans de déchirés, etc., mais c'est quand même c'est effrayant, tout ça. Mais c'est quand on était en France, oui? je vous fais par rapport à cette histoire-là, je m'en suis ça. Quand on était encore en France, les premiers jeans déchirés coûtaient 120 euros. Oui. Et je me rappelle, à Créteil, avec des copains qui me disaient, etc., je pense que c'est plutôt la déchirure qui coûte autant. Oui, c'est ça. Et maintenant, pour finir, par rapport à cette histoire de ceinture qui sont sorties de là, les marques n'ont pas pris que le fait que ce soit baissé, mais les marques ont pris ça avec une vente des slips hommes. Vous verrez maintenant. C'est ça. Enfin, pas maintenant, c'est depuis un truc. Oui. C'est la marque, c'est au lieu de faire des. On vend
des choses aux gamins pour que sur le premier slip apparaissent les marques. Mais c'est ça, mmh. c'est ça. Les marques. Mmh. Donc comme disait l'autre, 120 francs oui. à l'époque. Pour les déchirures, vrai, ouais. Avec des gens qui prenaient dans la tronche le blanchiment en Turquie. Oui, c'est ça. Les bijoux étaient en Turquie. Oui, et maintenant, baisser ça, c'est faire marquer, voir le haut du slip qu'on porte. C'est très, très... C'est comme s'il n'y avait plus un centimètre d'espace qui ne soit prétexte à être marchandisé. Est-ce qu'on ne peut pas y voir... la fameuse grande névrose du XXe siècle, dont l'origine est la confusion, vous voyez où je veux en venir, entre l'imaginaire et le symbolique. Parce que là, on récupère l'imaginaire et on le recycle dans un symbolique formaté, à vision d'accumulation capitaliste, tout simplement. Ce n'est pas du tout une question de productivité. Donc ça, c'était la fameuse thèse lacanienne de la bourgeoisie, la petite bourgeoisie qui est destinée à une grande névrose liée à sa confusion, la confusion qu'elle fait entre l'imaginaire et le symbolique. Ce que vous décrivez, d'ailleurs, ça vaut pour ce que vous venez de dire, ce que vous disiez avant de la culture populaire, y compris dans le vêtement, dans les pratiques sociales, on pourrait dire dans la musique, dans toutes sortes de choses. Donc tout cet imaginaire est recyclé et valorisé par un formatage sous forme symbolique et comme moyen de se valoriser et d'être reconnu globalement. On a la même chose, on retrouve aussi bien ce que vous disiez de l'art contemporain, donc cette espèce de vaste mouvement de sidération, donc ce réalisme globaliste, c'est parce ça. Qu'il s'agit de dire que le réel, c'est ça. C'est ça, c'est la duplication. Et qu'il n'y a plus de différence. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie au libéralisme accompli. Il n'y a pas d'alternative. Donc, c'est le Tina Thatcher. Donc, et bon, c'est aussi, ça tourne aussi. Et donc, indifférenciation des choses, des représentations, etc. Quoi. C'est ça. Ouais. Et puis, même, c'est la représentation qui est menacée. Puisqu'on vous impose quelque chose, c'est la présentation qui est substituée à la représentation. Et avec donc cette... Et pour répondre, allez, continuer dans la réponse de votre question, c'est qu'aussi, il faut... Aussi, ces dernières années, il s'est passé que cet endroit qui était le lieu où il y avait le musée des arts et traditions populaires, oui. à la porte là-bas, donc, qui était... Quand même, c'était justement un des lieux où étaient conservés justement les chefs-d'œuvre des artisans et puis aussi toute la tradition du monde ouvrier. Eh bien, d'abord, il a été fermé parce qu'il n'était pas assez rentable. Oui. Ça, c'est sous Hollande. Et puis, qui va racheter le bâtiment? Eh bien, c'est Bernard Arnault. Et pour faire quoi? En reprenant pratiquement les mêmes initiales, c'est le des arts et talents, etc. Oui, oui, oui. Et pour quoi faire? Pour promouvoir des artisans qui ne sont plus des artisans du luxe, c'est des gens qui complètement marchandisent les marques de luxe, mais qui ne sont qui c'est une production industrielle du faux luxe. Et tout d'un coup, c'est la perte des savoir-faire, puisque ça ne renvoie plus à rien, là, et c'est sur le même lieu. Donc là aussi, il y a une sorte de à la fois de symbolique et de constat de choses terrifiantes. Et bien sûr, c'est une start-up, ils parlent d'une start-up de l'artisanat, etc. Évidemment. Alors que c'est pour continuer de vendre ces saloperies. Et qu'on se trouve, donc la nouveauté aussi, c'est que le problème, c'est qu'il n'y a plus de référent, parce que c'est que ce faisant, on élimine même la chose, c'est-à-dire que même le thème d'ersatz ne peut plus être employé, puisque le mouvement va dans le sens que il n'y a plus la chose, il n'y a plus ce qu'on prétend imiter. C'est pour ça que je parle de réalité génétiquement modifiée.
C'est aussi de ça dont il s'agit. Oui, parce que c'est aussi dans la transmission. C'est son fils qui ouvre ce lieu. C'est pas lui. C'est donc c'est la génération suivante qui a été bien formatée dans l'éthique familiale et qui effectivement efface tout le tableau et on réécrit tout à notre façon pour justement recodifier un alphabet commun. Vous n'avez rien compris, non, mais c'est exactement ça. Et pour aller donc pour transmission. Vous avez tout à fait raison. Et pour aller dans le sens de l'exception française. Bon, on sait qu'il y avait quand même des grands artisans, enfin, il y avait un savoir-faire dans ce qui était avant le luxe, et il y avait des traditions qui se... Bon. Or, maintenant, c'est complètement éliminé, il n'y a plus ça. Et je sais, moi je connais des cas où des gens qui étaient, et même liés par exemple au grand brodeur, le sage, etc., qui, on les a éliminés pour... évidemment délocaliser à l'étranger, c'est ça. Et bon, et là, par exemple, les broderies se font en Inde, mais on fait les nœuds à Paris. Voilà, c'est ça. Mais du coup, il n'y a plus de référent. Mais c'est aussi ce qui se passe qu'il y a 4-5 jours, enfin un peu plus, la semaine dernière. On a vu dans Le Monde, vous avez sûrement dû voir, il y avait une sorte un grand article autour. Des histoires du désir sexuel, de la pornographie Internet. Une grande inquiétude. On se trouve maintenant avec une génération donc, qui se désintéresse vraisemblablement beaucoup de ce domaine-là, et parce que aussi il n'a plus d'autres référents que ce référent-là. Oui, et en particulier, c'est les. Il semble que ce soit les adolescents des classes défavorisées qui n'ont pour passer le temps, enfin pour qui n'ont que ça à regarder, tandis qu'il semblerait que dans des classes plus riches, on prend un peu le soin de diversifier les spectacles, de les ouvrir à autre chose. Mais donc là, il y a quelque chose de très grave qui se passe là. Oui, parce que c'est ce mécanisme d'usurpation que vous avez décrit, parce que c'est une usurpation. Ces usurpateurs, par-dessus le marché, s'adressent. Là, on va évoquer une autre personne dont vous étiez proche, et depuis justement votre dernière visite, c'est le fameux avertissement de Raimé Semprin. La question n'étant pas quel monde allons-nous laisser à nos enfants, mais quels enfants allons-nous laisser de ce monde. Ces enfants, pour moi, évoquent, évidemment, ils n'y sont pour rien. Il ne s'agit pas de les juger ou autre, mais ils sont notre progéniture, comme pour reprendre les propres termes de Raimé, au sens vraiment générique, étymologique et latin de progéniture. Et c'est une progéniture dans une logique de consommation, de marché, adapté à cette usurpation du champ symbolique, imaginaire, esthétique, qui n'a plus besoin de rhétorique, qui n'a plus à convaincre personne, qui n'a plus besoin de transmission non plus. Et donc cette espèce de forme d'hyper-réalisme accablant qui s'impose. C'est évidemment ça qui est dans votre on le voit bien qui est dans qui était déjà dans du trou de réalité, mais alors là les choses ne se sont pas arrangées, non, évidemment. il faut anéantir tout ce dont on peut extraire de la valeur, c'est ça, parce que aussi en plus, ou plus exactement, du profit. Oui, mais seulement la valeur de... Mais bon, aussi, ce qu'il y a aussi de formidable, c'est que en plus, maintenant, se met en place un certain nombre de marchés qui ont pour fin proclamé de racheter les nuisances que ce monde a fait. C'est-à-dire bon, tout ce qui est de l'ordre de l'esthétique, de chirurgie esthétique, et tous les régimes, tous les trucs fitness, etc. C'est bien parce que c'est à cause de toutes les saloperies qu'on a donné à manger à tout le monde que les corps sont complètement affolés et que beaucoup de gens ne peuvent plus. Et puis c'est immonde quand on voit ce qui se passe avec l'industrie alimentaire, c'est ça. Et maintenant, il y a ces nouveaux marchés pour, en quelque sorte, on est obligé de payer pour les manger bien. Oui, ça veut dire que avant on vous a donné de la saloperie. Voilà. Pour manger sainement, il faut payer. Voilà, c'est ça.
Vous payez parce que là, on peut faire un profit double. C'est ça. C'est le capitalisme vert. C'est ça. Et on est dans ça. Parce que c'est plus cher. Maintenant, il y a le luxe équitable. Ça, c'est quand même. Ah oui. Ça c'est quand même étonnant. Donc, alors, vous achetez à 300-400 euros un t-shirt, vous êtes. Où c'est marqué que vous êtes particulièrement féministe, ou je ne sais quoi, ou émancipée, etc., etc. Et bon, et c'est quand même, et ne parlons pas aussi de ce que ça représente comme nouvelle forme de colonisation sur les pays non occidentaux. Évidemment. C'est l'exploitation de tous les endroits où il y a la localisation, et on sait aussi comment les prédations se font dans tous les pays africains, Amérique du Sud, des Indes, etc. Ça n'a jamais cessé, mais c'est une autre forme. C'est un peu, et c'est pour ça que j'avais trouvé tellement, tellement intéressante le travail de la sociologue Sacha Sassen. Vous voyez, donc qui montre aussi que il y a cette exploitation maintenant, comme on exploitait les mines jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Maintenant, on exploite les territoires, les populations, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Et ça, c'est quand même. C'est une extermination silencieuse. Voilà, c'est ça. Et l'esthétisation, parce que aussi l'esthétisation, elle se fait en Europe, essentiellement dans les pays occidentaux, et avec aussi, on exporte une autre forme de prédation, qui est la prédation par le tourisme. Parce que c'est immonde la façon dont le tourisme européen va à nouveau recoloniser ce qui n'a pas été déjà tout ce qui reste encore d'humain. Là, on essaye avec le tourisme de complètement anéantir ça. Et c'est ce monde-là, on est dans ce monde-là. Alors quand même, à un moment, il faut prendre conscience de ça, parce que pour moi, il y a un tel vertige. Et c'est aussi le fait que tout se tient, c'est que l'art contemporain aussi a une sorte de valeur prescriptive, en quelque sorte. Tout d'un coup, au nom de la tradition de l'art du XXe siècle qui, toute proportion gardée, a quand même eu une valeur émancipatrice. Maintenant, en détournant ça, on vous embarque dans les choses les plus... Comme vous le disiez fort justement dans votre livre, dans le dernier, il avait une valeur critique surtout. Et c'est ça. Émancipatrice, il y a beaucoup de confusion, y compris sur l'émancipation, mais critique, raison, ça c'est incontestable. Ça, oui. Il avait cette valeur critique. Oui. Y compris les avant-gardes successives, depuis qu'on parle d'avant-garde. Et c'était très exactement le contraire aujourd'hui. Il est complètement institutionnalisé, et il n'est pas seulement prescriptif, comme vous le disiez. Il l'est, bien sûr, pour toutes les raisons que vous avez dites, et dans tous les champs, mais il est même performatif, parce qu'il détourne évidemment l'aphorisme du Champien, la fondation du Champien, en disant c'est parce que Duchamp, comme vous l'avez rappelé, ne dit pas c'est de l'art parce que je le dis. Il disait c'est de l'art parce que vous le voyez comme tel. Tandis que là, c'est plus du tout ça. C'est comme vous l'avez rappelé, c'est de l'art parce que on vous le dit, parce que c'est dans un musée, parce que on en parle dans notre presse, parce qu'on vous a dit que c'était bien, parce qu'on vous a dit que c'était beau, parce qu'on vous a dit que vous deviez vous agenouiller devant ce truc-là, quoi que vous en pensiez. Une valeur spéculative, s'il n'y avait pas. C'est parce qu'il y a une valeur spéculative. Ah oui, mais bien sûr, il y a une raison à cette performativité, il y a un intérêt. Et on pourrait en exposer tous les jours, si vous voulez. Mais on va orienter effectivement le regard sur plutôt des artistes spéculatifs qui vont avoir une cote, qui vont avoir une logique, qui vont aliéner un certain nombre d'artistes qui occupent devant la scène. N'auront jamais, je dirais, une écoute ou une attention, alors qu'il en existe partout. Oui, parce qu'on nous fait aussi, ce qu'on appelle cet art contemporain, il a un thème, c'est de nous faire assister à la grande transmutation de l'art en argent et de l'argent en art. Voilà. Parce qu'en plus, il n'y a pratiquement plus de différence entre les entrepreneurs que sont devenus ces artistes-là et les véritables promoteurs, entrepreneurs de tout ça. Hein. Enfin, que, et même, il y a une sorte de rivalité. Je pense que aussi tout ce,
ce club-là des, de l'art des vainqueurs, si vous êtes là, aussi se considèrent pratiquement à l'égal des artistes, parce qu'ils sont à l'origine d'événements, puisque c'est de ça dont ils aident. Et l'événement, c'est de nous faire assister à notre propre domestication. C'est ça. C'est absolument ça. Et vous en parlez aussi dans le livre. Ça nous donne l'institution, le politique, l'État, au travers de l'art, non pas officiel mais institué, proposé dans l'intérêt général au public, à titre de transmission, de patrimoine, etc., qui est complètement instrumentalisé. Ça nous donne Kunz au Louvre. Kunz à Versailles. Oui, c'est ça. Et pourquoi ? Eh bien, parce que on va exactement dans une logique de spéculation boursière, on va faire monter l'action, exactement comme on fermerait des usines, donc on va améliorer les bilans, et donc on va vendre ça plus cher. Il ne s'agit absolument pas là de production de valeur, évidemment, il s'agit de profit. Et de profits de plus en plus immatériels et spéculatifs. Et là, c'est exactement la même logique. Quand on met Kunz et qu'on mobilise l'appareil d'État supposément désintéressé, la muséographie, pour rajouter de la valeur à cette valeur-là, à cette fausse valeur. Donc ça vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Oui, puis il y a aussi, par exemple, ce qui se passe avec Damien Hirst, tout ça. Damien Hirst, c'est pas mal non plus, oui. C'est qu'il y a une sorte de prise en otage de toute l'histoire de l'art. C'est-à-dire, et là aussi, Arnaud, avec les expositions qu'il fait, etc., il participe à tout ça, forcément. Et tout d'un coup, cette prise en otage de l'histoire de l'art justifie, en quelque sorte, toutes ces formes de prédation qui sont maintenant monnaie courante pour instaurer ce que j'ai appelé ce présent sans présence. Parce que c'est ça aussi. C'est l'élimination de la sensibilité, c'est l'élimination du corps. Absolument. Et c'est de ça dont il s'agit. Et c'est là où il faut rester vigilant, individuel, au niveau des collectifs, c'est de toujours être dans un esprit critique et de garder sa vigilance, justement, parce que ça s'insinue au quotidien à dose homéopathique, parfois, quand on est vigilant. Et en fait, aujourd'hui, on dit qu'il y a un problème d'éducation, il y a un problème de transmission. Mais en fait, c'est à toutes les échelles qu'il existe. Oui. C'est parce qu'on le veut bien, finalement. Oui. Ce n'est pas la responsabilité des professeurs ou d'un certain nombre de corps. C'est que tout est en train... C'est comme un château de cartes, qui s'émiette comme ça, petit à petit, comme un château de sable, une sorte d'illusion. Donc c'est pour ça aussi que je pense, d'une certaine façon, il y a une possibilité de se poser de manière très... très simple, de prendre un tout petit peu de distance tout à fait. Pour retrouver cette distance qui permet la vision critique. Parce que aussi, on retombe sur des choses qui ont été déjà analysées, mais on est dans un monde où, essentiellement, tout est fait pour que nos perceptions soient captives. Alors c'est sur le modèle de Internet, il se passe toujours quelque chose, etc. Cette perception captive amène aussi à l'indifférenciation, et que tout est mis sur le même plan, etc. Mais ça, c'est quelque chose de très alarmant. Mais je pense aussi qu'on peut un tout petit peu prendre la distance, et déjà ça. C'est énorme, et que chacun peut se retrouver déjà dans ce mouvement-là. Donnez-nous un peu d'espoir. Il y a quand même des micro-résistances quand même en France. Quand on voit les jeunes à Notre-Dame-des-Landes, comment ils ont construit des maisons, comment ils ont fait des choses partagées. On voit comment la violence du capitalisme est en train de les tuer. Justement, je voulais dire... Parce qu'ils voulaient créer une propriété collective, et on leur a dit non. Non, mais justement, je voulais insister sur le fait que... Et c'est pas pour rien que, à plusieurs reprises, je fais référence à William Morris, à Reclus, et donc aussi à la Commune de Paris, et à Rimbaud, évidemment. C'est parce que, justement, ces jeunes gens-là,
indépendamment, même si on peut être d'accord ou non avec certaines choses qu'il formule, mais que ces gens-là, ces jeunes gens-là ne veulent pas ce monde-là. Et ça, c'est la chose, ça explique la violence terrible, justement, de la répression actuelle à l'égard des jeunes, parce qu'il faut tuer, cette sorte de feu-là qui est encore, ils n'ont pas été dressés jusqu'au bout, donc c'est là, il me semble que c'est qu'une des raisons de la violence policière actuellement, elle est là. Il faut essayer d'éliminer tout ça. Et d'un autre côté, pour aller dans votre sens, c'est qu'on peut aussi, on peut voir qu'il y a déjà un certain nombre de gens de génération entre 20 et 40 ans, par exemple, qui ont été programmés pour ce monde-là et qui prennent des distances, qui n'en veulent pas. Et déjà, ça, c'est d'une importance énorme, je pense, avec tout d'un coup, c'est parce qu'ils montrent, même si on n'est pas, il ne s'agit pas d'adhérer forcément à tout ce qui se passe, mais ils montrent qu'un autre espace est possible entre des êtres, que tout d'un coup, ça, tout n'est pas passé sous le rouleau compresseur, et la seule possibilité de cet espace, ça menace l'édifice tout entier. Et moi j'ai une confiance énorme dans ça, parce que c'est à la fin ils n'ont pas complètement réussi. Le fait qu'ils n'y aient pas complètement réussi, qu'il y a quelques personnes, ça suffit pour après enclencher d'autres choses. C'est la question de l'utopie, et c'est pour ça que je rappelle ce truc, c'est que il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. Absolument. C'est ça. Et vous parliez de Kuntz et de la commune de Paris. Il se trouve que Kuntz a la plus grande collection du peintre Courbet, qui est un communard. Oui. Et c'est pas par hasard. Et c'est pas par hasard. On est là-dedans aussi. Ouais. Il y a une question derrière. Une question. En fait, j'ai l'impression que dans la première partie de l'exposé, vous avez montré que le capitalisme opérait ce qu'on pourrait appeler une sorte de destruction de la raison dialectique. C'est-à-dire, si on annihile tout ce qui se pose contre l'imposition gigantesque, que ce soit dans l'art contemporain, mais aussi dans tout un tas d'autres domaines, c'est une destruction de toute réponse dialectique, de tout contre, et donc ça amène à un constat très pessimiste qui me semblait en fait être l'essentiel de votre exposé. Et finalement, je suis assez surpris que vous concluiez en disant mais cette réponse extrêmement violente est en fait la marque de la manifestation du fait qu'ils ne sont pas du tout tranquilles. Et donc du coup, j'ai du mal à savoir si le constat il est plus pessimiste ou si il est dialectiquement par négation optimiste, puisque plus il y a de la violence, plus il y a de la violence de la part de la bourgeoisie, plus ça veut dire qu'il y a une résistance. Mais alors ça veut dire qu'il y a une espèce d'étirement qui a l'air de s'intensifier et où ça va nous mener, quoi. Ça a l'air très incertain. Oui, surtout qu'on n'observe pas tellement cette réaction dialectique actuellement. Mais enfin, je vous laisse répondre. Non, mais je pense que, bon, effectivement, c'est l'équilibre des forces est très, très défavorable pour ce qui nous importe. Mais que quand même, on en est arrivé à un point tel que... Et puis ça craque de partout quand même, c'est ça aussi. C'est ça. Oui, il y a quand même une poche d'impuissance. Ils sont quand même impuissants. Il y a plusieurs endroits qui sont, comme vous dites, en train de craquer. C'est ça. Effectivement, les sutures tardent à arriver. Voilà, c'est ça. Parce que malgré tous leurs beaux efforts de rhétorique, il y a quand même des endroits où le colmatage est quasi impossible. Alors peut-être une conclusion optimiste. Malgré tout. Non, mais je vous la laisse modérément optimiste. Sur les murs, des actes partout. On a vu sur les murs des actes partout. Oui, mais enfin, on les a vus uniquement sur les murs. Hein, et à mon avis, on n'est pas prêt de les voir ailleurs. Oui, vous êtes très optimiste. Non, ce n'est pas une question d'optimiste. Ah oui, pardon. Mais bon, c'est...
c'est, je peux pas, je suis tout sur. Mais sur quand même l'art, le sensible, l'imaginaire, le ce qui n'a pas de prix et qui quand même est toujours là. Incontestablement, on peut pas nous en, on peut pas nous nous déposséder totalement de ça, je veux dire, à nous collectifs évidemment, parce que je pense que quand même il y a la conscience, même si elle est impotente, spontanée, qu'il s'agit d'une usurpation, tout ce qu'on a décrit, usurpation d'un Il ne s'agit pas de dire c'était mieux avant, évidemment, on nous balance ça sans arrêt, mais de dire que non, c'est pas ça qu'on veut, et ça ne correspond pas à l'attente en matière d'esthétique, en matière de symbolique, de représentation, d'art, d'une manière générale, y compris en matière de sidération artistique, c'est pas ça qui est attendu, et ça n'obtient pas une adhésion, ça obtient une passivité, une servitude volontaire, une impotence, une stupéfaction, mais pas une adhésion. Il n'y a pas d'adhésion à tout ça. Et surtout pas populaire, parce qu'il y a un désintérêt, il y a un désinvestissement symbolique de l'ensemble des classes populaires, de toutes ces choses-là. Mais ce mécanisme d'usurpation est quand même intuitivement, spontanément éprouvé. Donc ça veut dire qu'il y a encore la place pour ce qui n'a pas de prix. Il y a eu des intérêts surtout liés aussi à la précarisation galopante. Ben voilà. Parce que ils ont quand même bien préparé le terrain. Les gens, malheureusement, sont tellement soumis à mettre si peu leurs assiettes qu'ils n'ont pas emprunté effectivement le mode de Noam Chomsky, mais qui était tout à fait réaliste. Plus ça allait, plus ce système allait engendrer ce genre de réponse. On vous donne à peine de quoi vous nourrir. Comme ça, votre attention ne sera plus que concentrée sur cet aspect misérable. Et pour le reste, ça deviendra l'insurmontable. Voilà, on revient en mode survie. Et la société a préparé vraiment depuis des lustres. Au mode de survie, exactement. Des débuts les plus violents. C'est ça qui fait. Je sais pas. Pour finir quand même, en niant cette négation. Alors, ça fait beaucoup de négations. Oui, mais justement, puisque on a vu que on nous imposait cette espèce de positivité massive, on ne va pas participer du mouvement de non pas. Il y avait une chose pour finir sur une note humoristique, mais en rapport avec le sous-titre, donc les rapports de tout ça avec donc du beau, du laid, de la beauté, de la laideur et de la politique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Pendant la, je crois que c'était dès le début de son quinquennat, Macron, qui était intervenu publiquement, innombrables manifestations, mais il a produit quelque chose d'assez étonnant. Là, on a vraiment un, il faudrait l'envoyer chez son psy ou analyser tout ça. Il a fait une bévue quand il a parlé de l'état de droit. Nous allons supprimer l'état de droit. Il voulait parler de l'état d'urgence. Et il s'aperçoit aussitôt de sa bévue. Il a un silence total. Il se met à ricaner et il dit oui, évidemment, il s'agit de l'état d'urgence. Et puis, il a son petit côté cynique, là, sarcastique, espèce de surplombant, et supposément ironique. Il regarde son assistance, qui est supposée être en parfaite connivence avec la subtilité de sa pensée complexe, et il dit, je cite de mémoire, mais c'est à peu près ça, je suis un petit peu surpris qu'il n'y ait pas eu de réaction. Effectivement, ils n'avaient pas réagi, l'audience, à son erreur. À sa bévue. Et alors il dit, je me pose la question, est-ce que c'est de la torpeur ou de l'acquiescement? Et il dit, je parie plutôt pour la première solution. Donc, torpeur ou acquiescement, c'est un petit peu
Il a résumé lui-même ce qu'il incarne complètement. On sait bien que c'est un polichinelle des intérêts qui l'ont placé là, dont Arnaud et tant d'autres, qui ont racheté toute la presse, tout l'appareil, qui ont construit, y compris dans l'art et via l'art, tout ce que vous avez décrit. Alors on arrive à cette situation de torpeur et acquiescement. Alors, c'est un peu la question sur laquelle vous concluez. Comment sortir à la fois de la torpeur et de l'acquiescement? Et en tout cas, sortir de l'acquiescement. Est-ce que l'art peut servir et l'outil critique qui peut nous y aider? Tel qu'il est actuellement, non, sûrement pas, sûrement pas. Mais que chacun retrouve quelque chose qui le passionne, c'est ça. Parce que aussi, c'est aussi tout ça, c'est une grande entreprise contre la passion. C'est ça aussi. Si chacun peut retrouver... Ouais. Chacun doit s'incarner dans quelque chose. Alors, tous au boulot. Voilà. C'est ça la. Bon, merci. Merci, Annie Lebrun.